Salut, salut, comment nous y est? Moi, j'espère que nous en forme. Moi-même, côté Pam, moi en forme, m'a kembe avec grâce de Dieu. Jodi a moi vini avec yon l'autre petite vidéo pour nous. Dans la vidéo jodi, nous pral parler de sa ki rele zonyon. Juste avant, moi aller plus loin ensemble avec vidéo, m'a pran yon petit temps pour moi remercier tout ancien avec tout nouveau abonné moi yo moi dis nous un pile merci merci pour support nous merci avec ou même qui a regardé vidéo ça et vidéo ça c'est raison même qui va faire abonner ensemble avec channel là déjà moi dis merci et bienvenue merci avec chaque monde qui toujours quitté yon like pour moi merci avec chaque monde qui toujours partager vidéo pour moi pour plus monde capable voir et merci avec ou même qui toujours quitté yon petit commentaire pour moi. Ma profite moment ça tout pour moi inviter nous passer visiter nouveau channel moi qui c'est Mami ma pâtisserie passer visiter li gen nouveau vidéo gade si ça intéresse nous nous va abonner. OK, on nous prend yon petit coup de pause m'a tourner ensemble avec vidéo. Ensemble avec vidéo, j'aimerais te dire nous allons parler de ça qui relève zonyon. Moi faire vidéo ça c'est parce que moi gagné yon abonné qui te posé une question ça longtemps. Moi pas de jamais répondre. Eh bien, li écrit sur Instagram pour lui demander pour me parler de zonyon, pour me dire qui ça qui zonyon. Eh bien, je dis à moi décider faire vidéo. Pour moi parler de ça qui relève zonyon et zonyon sous bon nom li en français li c'est anulingus. C'est une pratique buccale qui pas trop populaire et c'est un bagay qui souvent tabou tout pour quelques monde. Pratique anulingus lan li bay en pile sensation intense grâce à un pile terminaison nerveuse qui présent dans zone si là mais qui s'allie même anulingus ou bien zonyon jan haïtien rele lan c'est une pratique sexuelle orale qui capable stimuler tout derrière ensemble avec langue même jan garçon fèl pour fiyan c'est comme sa fille fèl pour garçon tout. Ou jwenn pratik sa la kay moun ki homosexuel yo. Pi souvent konsato ou jwenn ni la kay koup heterosexuel yo tou. Ki jan yo pratikel? Avant mwen di ki jan yo pratikel, mwen menm konnen gen moun ki pral pose m kesyon, eske mwen kon fèl? Non, mwen poko fèl et mwen pa jam fèl, pap nèm poko fèl pou mwen et mwen pa jam fèl tou pou marim, OK? On nous ferme parenthèse ça. Qui j'en ai fait li? Garçon capable faire fille en coucher sous dos, bien fille en fait garçon en coucher sous dos, et puis yo levé deux pieds en l'air, et puis la caresser trou des filles. Zone trou des ça tellement gain terminaison nerveuse la dani. Ça vient faire de li yon endroit qui vraiment sensible, qui très 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 sensible. C'est ça que fait yota même comparé trou d'air à clitoris mesdames yo en termes de sensibilité. Mais il faut que moi dis nous tout, bagay zonyon ça a commencé très populaire. D'après une enquête IFOP LT réalisée qui publiée en 2019, qui ça a joint dans résultat enquête ça. Et bien résultat enquête là révélé que gagne 15% femmes qui reconnaissent que yo fait déjà pour partenaire yo et puis gagne 26% femmes qui reconnaissent que partenaire yo fait pratique ça pour yo. Ça veut dire c'est un bagage comment c'est très populaire. Faut que moi dis nous mes chéris, bagage ça tellement populaire. Gagne fille ou bien gagne fille depuis nèg yo c'est même j'avec petit bœuf. Depuis une nègre pas fait pour yo, c'est comme si nègre pas fait rien pour yo. Eh bien, il y a une fille qui constate tout. Depuis nègre pas fait zonyon pour lui ou bien pas fait zonyon pour nègre, il pas senti à l'aise. C'est comme s'il pas saut fait l'amour, il pas l'amour pas de sens pour lui. Non, si
pas gagner zonion la dedans. OK, qu'on y a qui risque qui gagner dans ça qui relait faire zonion pour partenaire. Nous connaissons que dans rapport sexuel, c'est bagay qui pote en pile contamination, donc infection, herpès, gonorrhée, sida et contamination ça yo ou li plus vrai les que ou fait zonyon les que moun a fait zonyon pour li plus ou joine ça plus nan pratique ça qui ça qui cause ça c'est parce que trou derrière moun c'est yon côté qui pote en pile microbe ou joine en pile microbe nan trou derrière. Trou derrière toujours gen crasse pou nan trou derrière. Qui maladie ou capable attraper? Ou capable attraper ça qui rele gastro-entérite. Qui ça yo conseiller pour yon moun que partenaire li souffre de gastro-entérite lan? Li ta pi bon sou ta évite fèl. Nan zone sa plein bactéri, même si moun sa ta lave derrière. Jan te capable laver fond bundal trou derrière, jan te capable laver li toujours gagne crasse pou c'est ça fait li zone sa chargé ensemble avec bactéri ou capable contaminer tout par un parasite qui rele ténia. Si on nan partenaire yo te contaminé, l'autre là capable contaminer par contact bouche. Si toutefois partenaire qui gagne ténia gagne zetenia qui présent dans trou derrière partenaire là. L'autre maladie ou capable attraper encore ou capable attraper hépatite A. Hépatite A c'est un péril fécal ou joine virus ça dans pou moun. Si partenaire là ou fait zonyon pou li a, li ta gen hépatite A, eh bien la transmet ou hépatite A directement côté ou ap fèl pou li. L'autre risque qui gagne encore, gagne risque pour capable draper ça qui rele yon gonocoque. Gonocoque la li même, li c'est une bactérie qui très très contagieuse. C'est même gonocoque ça li même qui responsable infection sexuelle qui rele gonorrhée. Contamination gonocoque la capable fait de langue vers trou derrière et puis de trou derrière vers langue. Les infections ça li même li déclaré li bay pour mesdames yo li bay mesdames yo démangeaison génitale li bay perte inhabituelle ça veut dire fi a gè perte nan bouboune que le pas qu'on habitué ouais li bay fiyan gros douleur pendant fiyan a fait bagay et puis tout fiyan ge dwa ap pipi la li genyen brûlure. Pour garçon yo li même, li bay garçon yo écoulement de plus garçon an et pou aller nan verjan. Et puis garçon sa kapab genyen brûlure nan tête pénis. Ti trou ki nan tête bwa garçon an, li kapab genyen gros brûlure ki vraiment dur pou garçon sa. L'autre bagay encore li kapab bay. Si yon moun ki ap fèl pou an, ça veut dire si fiyan ap fèl pou garçon, fiyan genyen lesion nan bouch li ou même la fèl pou ou kapab kontamine par sa ki rele HPV. Genyen risk tou pou attraper herpès le ou ap fè zonyon pou partenaire. Est-ce que yon moun kapab attraper sida nan sa ki rele fè zonyon an? Non, yon moun pa kapab attraper sida nan fè zonyon parce que pou gen sida fòk gen contact sang. Si pa gen contact sang, ou pa kapab pran sida. L'autre risque ki gen ou kapab attraper sa ki rele syphilis lan nan fè zonyon pou partenèr. Est-ce que zonyon pi risqué que fait ti bœuf? Faut moi di nou risque yo similaire sauf pour quelques contamination. Ça veut dire gen quelques bagay ou ka contaminer là-dedans. Nan fait zonyon ou pa contaminer là-dedans, nan fait ti bœuf là.
Pour ti bœuf la li même, qui moun ki plus à risque? Moun ki plus à risque nan fè ti bœuf la, c'est moun ki gen bois nan bouche li. Ça veut dire c'est fille. Si fille a fait ti bœuf pour mari, c'est les même qui gen plus risque pour contaminer nan fè ti bœuf. Est-ce que gen bagay ki la même pour protéger moun qui a fait zonyon ou bien ti bœuf? Oui, gen yon bagay ki rele dig dentaire qui capable protéger bouchou contre toute infection, contre toute contamination, contre tout virus. Yon moun capable prendre ni faison yon ni fait ti bœuf la, OK? Yon vann ni nan pharmacie, kon sa tou ou capable préparer ou même avec capote. Si toutefois ou pa ta joine ni, ou capable préparer ensemble avec yon capote, OK? Et c'est toute ces informations ça que moi t'ai porté pour nous sur ça qui gagne rapport ensemble avec zonyon. Qui opinion de ça? Moi pas capable bay opinion, ça va dépendre de moun. Si moun nan vle faire partenaire li mande li vle faire li fait, s'il pas vle tout ça dépend de lui même. Yon moun ou vle faire ou fait, sauf que partager avec vous qui risque qui gagne, qui ça ou capable attraper, qui gens ou capable mettre santé ou en danger nan fait pratique ça. OK mes chéris, c'est là moi camper ensemble avec vidéo, moi dis merci ensemble avec tout le monde qui t'a regardé vidéo et qui rivé jusque là. Moi dis un grand merci pour support. Merci avec vous même qui pral quitter un like pour moi après que vous finissez la vidéo. Merci avec vous même qui pral partager pour moi pour faire plus monde capable voir li. M'a vraiment apprécié ça. Merci avec ou même qui pral kite yon commentaire pour moi, c'est toujours un plaisir pour moi li commentaire nou yo. Merci, c'était Zami nou Martine, n'a croisé encore dans yon prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine, ciao ciao, je vous aime. Mouah!